Bonsoir YouTube, bonsoir. Nous allons partir à la découverte. Enfin, je vais partir à la découverte, peut-être que vous connaissez déjà. Nous allons partir à la découverte de Subnautica Below Zero, qui est apparemment une grosse extension du coup de Subnautica de base et qui beaucoup de joueurs ont beaucoup aimé. Donc, du coup, je suis très curieux, vu que moi je suis très amateur de Subnautica 1, le premier. Celui-là, c'est un peu le Subnautica 2, du coup. Vu que Subnautica 2 ne sortira jamais. Voilà. Alors, jouer. Commencer une nouvelle partie. Survie libre, extrême, créatif, personnalisé. Survie. Alors, est-ce que c'est le même lore que Subnautica ou c'est complètement différent? C'est ça que je ne connais pas. C'est vraiment une totale découverte parce que je sais qu'apparemment on peut aller sur les banquises, on peut aller sous l'eau du coup comme dans Subnautica. Mais il y a des ennemis en plus, il y a des boss, il doit y avoir des trucs en plus, donc je suis très curieux. Il est sur le Game Pass au cas où, hein, si quelqu'un pose la question, il est sur le Game Pass. Le temps que ça charge... Cette fois, il y aura un système de plus poussé à pression, aussi le système de froid. Ah, système de froid, je pense, ouais, j'y pensais. Est-ce qu'il va y avoir encore les trucs radioactifs comme dans le 1, enfin le fait qu'on s'approche du vaisseau, ça te fasse des trucs radioactifs? Par contre, le temps de chargement est très long. Appuyez sur une touche pour continuer. This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. Ah, le son! Yeah, coucou! It is to me. Coucou, Elena! Sam, I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Il s'appelle comment? C'est Subnautica... Approaching 45-46 feet. Subnautica Below Zero. Drop pod deployed. Quel ton casque. Battle Front 3. Est-ce que je peux aller dans les options s'il vous plaît? Coucou Small Tom. Alors... Ah, c'est... C'est calme. Donc, bonjour Small Tom, bonjour Lena. Alors, on joue à... comment il s'appelle? Voilà, ça c'est bon, je m'en fous. Attendez, poussière, blablabla, flou, qualité météo, je m'en fous, clavier, manette, jouabilité, générale, résolution, c'est bon, plein écran, oui, mes oreilles te remercient, non mais franchement, je m'attendais pas, hey, t'es témoin, Anthony, j'ai baissé le son, mais regardez ça, j'ai mis à 65, je pète un plomb, enfin bref, ah, c'est beaucoup mieux là, parfait. Donc, nous jouons à un gros bordel. Comme a dit Anthony, c'est Battlefront 3. C'est la bêta. Et apparemment, le son est encore trop fort, mais j'ai pété un plomb. Bah, ça doit être bon, là. Donc, du coup, c'est Battlefront 3. On joue à un soldat, on est perdu sur la neige. Ça explose de partout. Alors, pas du tout. On joue un DLC extension de Star du Valley, de qu'on appelle ça, Giant Slayer, what the fuck, mais non, lance pas, de Subnautica, qui est une énorme extension du coup qui s'appelle Below Zero, qui offre la possibilité justement de marcher, et apparemment il y a plus de lore apparemment vu que le personnage parle.
Et c'est un peu une sorte de suite directe, extension, je ne sais pas pour l'instant si c'est une vraie suite ou pas, mais c'est la suite de spirituelle, on va dire, la suite spirituelle de Subnautica. Donc du coup, les gens qui ont peur sous l'eau, désolé. Par contre, on en parle de la fille qui était déjà équipée pour aller sous l'eau, là, avec les palmes. Bon, par contre, le jeu est beau, quand même. Putain, je préfère jouer à ça que aller sous l'eau dans Minecraft, quand même. Regardez, c'est un turbo. Pas du tout, je sais même pas ce que c'est. Ah, on a de l'oxygène, quand même. Voilà. Oxygène. Pourquoi je parle trop vite, moi? Ah mais c'est bon, on est arrivé là. Faut aller où? Là? Attendez, quoi? Pardon? Quoi? Quoi? Pardon? Quoi? Ça a même pas commencé que c'est déjà de la merde. Mais je suis désolé, là on est dans l'eau, on est d'accord, c'est une porte, j'ouvre la porte, je rentre dans le truc, il n'y a plus d'eau. Où est-ce qu'elle s'évacue l'eau? Où est-ce qu'elle part? Où elle part l'eau? J'ai pas l'air con avec mon truc là en plus. Voilà. Ça serait bien que ça soit dans cette partie où tu retrouves ton ancienne base que tu as fait dans le jeu normal, vu que j'imagine que c'est pas le même personnage. Ah non, pas du tout. Vu que dans le truc de base, on est éjecté dans une capsule. Dans une capsule qui ressemble à celle-là, mais un peu plus grand. Personnel, quoi. Équipement. Alors il faut savoir, comme j'ai dit, je suis un gros amateur de Subnautica. Donc si vous voulez m'aider, vous inquiétez pas. Si vous pouvez me backseat les crafts, etc., ne vous inquiétez pas, vous pouvez. J'ai des éponges. Ah non, c'est des blocs nutritifs. Ah, j'aurais pu rester là-bas pour récupérer des trucs en fait. Oh merde, je suis con. Well, Sam, I guess I might as well gather some... Lisez l'histoire, hein. Je vous poserai des questions après. Voilà. Mais il faut juste se balader, quoi. Normal. Ok. Oh. Nice. Je sais qu'il y a de l'énergie, super. Ok. C'est tellement calme. Ça rappelle tellement un jeu que j'avais sur PS1 qui était disponible sur un CD de démo qui permet de jouer à un plongeur dans l'eau, et je trouvais ça le jeu impressionnant. Et il y avait un boss dans la démo qui me faisait super peur, qui était un roquet ou une pieuvre, j'en sais plus, mais qui était dans un bateau pirate. Et je trouvais le boss très très dur, il me faisait peur. Alors, je peux crafter de l'électronique, d'accord. Pour faire des titanes, mailles de fibre, d'accord. Il faudrait faire des mailles de fibre du coup. Comment on fait les mailles de fibre? Mailles de fibre, il faut des échantillons d'orin. Ok, des piles. Pills. C'est quoi l'objectif? Schéma, non. Plank, non. Les plantes, blablabla, etc. Je m'en fous. Je veux savoir comment on... C'est quoi l'objectif? Votre objectif, survivre. Bah ouais, mais merci, mais... Excusez-moi. Oula! Darker BG? Photo tour over. Quoi? C'est quoi ce truc là? Attendez. Ouais, attendez là. Comment j'arrive à faire apparaître la commande? Un jeu vidéo qui fait apparaître une commande avec une touche, c'est. Ok, ça je comprends, mais l'autre je comprends pas. Des avis? Ah non, mais non. Tiens, je pourrais te montrer les choses. Si ton personnage est trompé, tu as perdu. Hein? Elle a parlé de récupérer des ressources à une tour radio. Ah merde! D'accord, ok. Mais la tour radio. La tour radio. Oui. La tour radio. Je pense qu'on va déjà récupérer des ressources pour crafter des trucs de départ. Des champignons.
Histoire d'avoir un peu de stuff au moins. Parce que là, on est tout nu, hein, littéralement. Regardez-moi ça. C'est pas immersif là. Sous la banquise. On peut monter sur la banquise là ? Oxygen. Non mais. Oh. Putain, c'est le Nord-Pas-de-Calais, je suis content. Et on peut pas, d'accord. Tant pis. Il faut que je trouve des pierres. Pierre. Pierre. Je suis ta lumière. Là. Par contre, il y a un bruit étrange depuis tout à l'heure, ça me stresse. Je pense que c'est... Pierre, présent. Pierre, présent. Pierre. Pierre. Je croyais que Pierre n'est pas là aussi. Ah, toujours ensemble les deux. J'ai pas envie... J'ai envie de rien faire. Pas toi. Non. Oxygen. ça va. Monte, 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 monte. Monte. Oh la salam alaikum, what the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Nous te voyons humain. Récupérer manchouné. Quoi? C'est ça? Manchouné. Oh, ça nage. Oh, c'est trop bien. Ok. Et je suis mort où, là? Ah non, c'est bon, j'en ai dit. On va appeler Régis. Ouais, mais tout, sa famille, à Régis, elles m'ont fait mal. Hein. Moi, je note ça. Bon. Donne-moi ça, ça, énergie. Toujours pas? Il faut quoi? Des échantillons de vigne. Ah, merde. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Un scanner. Ah putain, il faut une pile. Attendez. Mais oui, c'est vrai, c'est la base de Subnautica, ça, c'est le scanner. Comme ça, on peut récupérer des trucs après. Tac, 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 scanner. Nice. All right, I have a scanner. All right. Ne t'inquiète pas, tout ça, c'est à cause de Robert, il a trop bu. Oh là là. Ça y est, ça parle mal. Le couteau, il faut quoi? Caoutchouc en silicone. Ok, le caoutchouc en silicone, il faut quoi? Des graines de vigne d'orin. D'orin. On va le noter, hein. Attendez, 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 attendez. Hop là. Ah, nice. Il m'en faut un. Comment ça, il m'en faut un? Non, il en faut deux. Putain, encore plus fort le bruit, non? Et les trucs, on dirait les personnes... On te prononce ces trucs, on dirait que tu parles en elfique. Ah mais c'est ça, c'est Dora. Mais ça c'est par rapport à la voix de... Je sais plus comment il s'appelle dans... Dans Hearthstone, t'as Le tavernier qui parle comme ça, quand il annonce ses cartes, il fait Dora. En juin, contre... Allez. En parlant d'Hearthstone, c'est comme sur League of Legends, j'ai tellement de caisses à ouvrir. Oh. Oxygen. Ça va, deux secondes, j'arrive. Ça va, on est à côté en plus. Il va faire tout noir. Let's go. Là, on enchaîne. Lance-roll, d'accord. Mais comment tu veux choper ces trucs là, les tiges là? Il faut un couteau, je veux bien, mais après. Récupérer ça. Calcaire. Nice. Nice, il y en a encore un là. C'est une nuit où les créatures les plus fortes et obscures de l'océan se réveillent afin de régaler de leur proie. Bah oui. Oxygène. Oh la meuf, elle prend même plus son temps pour dire attention, il y a plus d'oxygène. Non, non, là elle te dit clairement oxygène. Oh, non, par contre, oxygène, merde.
Vous êtes mort et avez perdu quelques objets. Nice. Nice. J'adore ce jeu. On peut pas les récupérer d'ailleurs. Bah si, c'est là. Non, c'est à moi ça. Mais oui. Tout ça pour un truc qui brille, qui sert à rien. En vrai, je sais pas quoi ça sert de faire ça. Parce que je sais que ça débloque pas des éléments comparé à d'autres jeux. Oxygen. Oh, ferme-la. Plus tu vas aller profondément dans l'océan, plus tu utilises l'oxygène à cause de la pression qui se dentifie. Non, je pense pas. Je sais que les gens ils peuvent avoir des caissons d'oxygène après avec leur véhicule et tout. Mais je crois qu'il doit y avoir des trucs à faire. Genre par exemple là on peut avoir des palmes pour aller plus vite déjà. Et un réservoir d'oxygène, il faut des mailles de fibre. Il n'y a pas que mailles qui maille. Échantillon d'Ora. Putain, il m'en faut deux. Ok, go. Les échantillons d'Ora. C'est où ça? Il me faut les échantillons d'Ora. Qu'est-ce que quoi? Allô? Ah, mais il pleut. D'accord. Par contre, la meuf elle a pas froid, hein. Ça c'est. Faut bien préciser. Hein. Non, y'a rien, ok. Comme s'il n'y avait pas assez d'eau sur cette planète. En fait. Ah, carrément. Ah, mais c'est des grelons en fait. Qu'est-ce que c'est? Kaori arrive chez les followers. Merci Chantal. Bonjour Kaori, coucou, je commence ce modicab par rapport à la mise à jour. Merci de m'accompagner en live. Hein? Merci de m'accompagner en live. Tu Attends, tu as fait... Tu es en live, non? Ben oui, bien sûr. Merci de m'accompagner en live. C'est ta phrase, en fait, que je comprends pas. Parce que pour moi, tu fais ta pub de ton live sur mon live. C'est ça le... que... Pas du tout. D'accord, je suis très con, alors désolé. Je suis très con, je suis désolé. Putain, mais... Ouais, mais faut, je suis désolé. Vraiment. Oh merde, en fait c'est ta phrase, je me suis dit merci de m'accompagner en live, je suis en mode... Ah mais en fait t'es en train de jouer et moi tu regardes mon stream en même temps. Oh. Non c'est vrai, on aurait dit... Mais non mais c'est ça que je comprenais pas. Merci de m'accompagner en live en fait, d'accord. Voilà, d'accord, oui, non, d'accord. Bienvenue à toi du coup, Kaori. Moi c'est une totale découverte, t'inquiète pas. Donc tu n'es pas plus perdu que moi, t'inquiète pas. Bon, à part ce que tu viens de dire, oui, là je suis complètement perdu, oui. Ah, me dites plus jamais des trucs comme ça, les gens. Oxygen. Coucou Kaori. Small Tom qui est gentil avec quelqu'un, c'est la première fois que je vois ça. Et là il va dire, oh mais ta gueule. Et sortir le calache après, mais non. Ouais. C'est quoi ce truc immense qu'il y avait en dehors de l'eau là? On en parle de ça là? Putain, il me faut des fibres. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Voilà. Ah, et ça marche plus maintenant, Tom. Ça marche plus. Et encore, sois heureux que j'ai pas des modérateurs. C'est violent, bah oui. C'est fait exprès. Comme toi avec tes réponses. Hein. Heureusement, comme j'allais dire, heureusement que mes modérateurs ne sont pas là. Hein.
Oh, sois pas triste, commence pas. Oh, commence pas, hein. T'es habitué au bout d'un moment. Putain, c'est beau la surface en fait, comparé à la Subnautica 1. Un œil. T'as vu Small Tom? Il y a une nouvelle émote sur la chaîne. Mais c'est pour les abonnés, donc du coup tu peux pas l'utiliser, c'est con ça. Hein. Ah. C'est con, hein. Ah là là, j'adore te charrier, c'est grave, j'adore. Qui aime bien, c'était bien. Oh, les trucs rouges! Les vignes d'Aurora! Je peux en avoir? Je peux en avoir? Vous avez pas eu mon fils? Qu'est-ce que c'est? Super cool! Cool, 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 cool. C'est dégueulasse, cette horreur, c'était quoi? C'est quoi ce truc? Some of the wildlife down here is very grabby. J'ai tellement eu peur, bordel de merde. Quoi, le singe des mers? C'est un singe des mers, ce truc? Ça m'a fait super peur. C'est tellement adorable, c'est horrible. T'as vu sa gueule? Je préfère les pingouins, moi. Ça m'a fait tellement peur, bordel. Au secours. Mon inventaire est plein. Oh merde, ça prend tellement de place. Oh merde, je m'attendais tellement pas à ça. Est-ce que je peux rajouter un point ou pas? Schéma, gestion des balises, oui. Ah non, il faut que je crée une balise. Si j'étais toi, je m'approcherais de cette... Cette pute m'a volé! Je vais pleurer. Je vais pleurer en fait. C'est un jeu de merde. C'est quoi ce jeu? C'est pas fait pour moi. Il pète un plomb. Heureusement qu'après on joue à Yakuza. Hein. Parce que là... Ah putain, mais c'est quoi cette arnaque? Ah. Oh mais le pétage de plomb. Oh merde. Bon, il faut faire ça. Je vais en faire plein. Putain, je suis tellement dégoûté. Ah, ah merde, allez, une pile. Alors, c'est quoi? C'est outils. Voilà, et après on peut faire un couteau. Je crois qu'il faut une pile aussi. Ah non, c'est bon. Putain de merde. Ça vole ton inventaire. C'est ultra fourbe. Un petit couteau à la Counter-Strike là. Soyez heureux que j'ai pas installé des mods. Hein. Soyez heureux que j'estime que ce jeu je ne le connais pas, donc du coup je le découvre en temps et en heure. Oh, je peux faire des palmes. Sinon tu risques de perdre ton nouveau petit couteau. Non, je m'approche plus de ces trucs maintenant, c'est mort, c'est mort. Je les regarde de très loin. C'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? L'oxygène, c'est quoi déjà qu'il faut? Maille de fibre, il n'y a pas que maille qui maille. Bah du coup ça j'enlève. Ça je peux le faire par contre, du lubrifiant. Je fais un de chaque au moins, ça c'est sûr. Peut-être que ça débloque des trucs, je sais pas. Pas du tout. Un kit de câblage. Ok, comment on fait un kit de câblage? Il faut du minerai d'argent. Oh putain. Là on va pouvoir les crafter, on va pouvoir taper sur les pierres avec le couteau du coup. Du quartz. Nice. Putain, je suis tellement dégoûté pour le... Mais je suis équipé des palmes? Ah oui. Allez, go. Bon, on nage un peu plus rapidement, c'est déjà bien. Viens ici, tu vas voir. Ah mais c'est un pingouin. Oh, c'est bon. Viens ici. Viens ici. Ah, faites l'amour, pas la guerre. Quoi, on peut pas le récupérer? Je l'ai tué pour rien?
Non. Oxygen. Mais ce jeu n'est pas fait pour moi, je suis trop violent pour ce jeu. Oh merde, je pensais pas. Je pensais qu'on pouvait récupérer, je sais pas, son cuir, sa chair. Je joue à beaucoup trop de jeux survivalistes, hein, ça se voit. Tu peux attraper les petits mais nage vite ensuite. Ah bah oui, les bébés, mais c'est déjà fait du coup. Mais je pensais qu'on pouvait les récupérer, genre la viande, pour les manger. Je sais pas. Cherche un prétexte là. Putain, c'est tellement agréable maintenant de couper ça rapidement. Enfin, de casser les pierres en un coup. Faudrait du minerai d'argent, du coup, je pense qu'il va falloir aller dans les grottes, je sais pas quoi là. Ou alors aller plus profondément. Parce que là, ouais, non, c'est les petits trucs. Oxygen. Je sais! Oh, PPDA là. J'ai une personne horrible à. À la rigueur, détruire les civilisations, pourquoi pas. Les animaux, il faut être le pire des monstres pour les tuer. Oh, ça va. C'était un test. C'est pour la science. Voilà. Faut se dire ça, c'est pour la science. D'ailleurs, il y a un très bon... très bonne vidéo de Feldup sur... un savant fou, littéralement. Un savant fou qui a fait des tests sur des singes. Très très bonne vidéo qui m'a beaucoup surpris. J'étais complètement horrifié de savoir qu'il y avait des êtres humains qui pouvaient faire ça, quoi. Je raconte pas trop, mais dans les grandes lignes, en gros, c'est un savant fou qui manipule l'instinct de survie, l'instinct animal d'un petit babouin qui doit être auprès de sa mère, etc. et tout. Et en fait, il arrive à le contrôler à un point que s'il n'y a pas sa mère, il ne mange pas. C'est con. Alors que d'habitude, ça a un instinct de survie, un animal, ça mange n'importe comment. Enfin, n'importe comment, vous m'avez compris. Mais là, il avait réussi à programmer le singe, le petit singe, pour que il ne mange que en présence de sa mère. Et encore, il pouvait carrément s'étouffer quand elle n'était pas là. Il pouvait carrément devenir agressif. Il n'avait aucune défense de n'importe quoi. Il n'avait aucune défense, rien du tout. Je trouvais la vidéo trop bien. Bon, c'est horrible, mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien la vidéo. Pardon. Oh, j'avais pas de batterie, mais t'inquiète, pas de soucis. Oh, t'as tellement raté. T'as raté un putain de but de Sharky, Shrudul. Oh, quel dommage. Allez, on a fini Metal Gear Rising aussi. Oh là là, quel dommage. Il y a des trucs là-bas, ça fait peur. Sous l'océan. Sous l'océan. Comment ça? Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Ah, il faut que je mange. D'accord. C'est bien comme expérience, mais un très bon documentaire. Ah oui, 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 par contre, oui. Le mec, il voulait vraiment faire ça sur des humains. Et je me suis dit, mais non, 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 non. Et en fait, il a réussi. Je sais pas comment il a fait, il avait réussi à financer son expérience. Ses expériences grâce à l'argent de sa femme ou un truc du genre. Il était prof en pire, c'est ça le truc, c'est qu'il était prof. Il était prof. Shrudul, j'adore les blagues, mais si c'est pas une blague, je n'accepte pas cette blague. Je vais mettre ton endroit, tu es encore mort. Putain, ouais, vous êtes tous les deux partis sur le banc de touche. Va peut-être rentrer, non? Non, pas encore. Avec tout ce que je récupère. Depuis tout à l'heure, je scanne plus. Faudrait peut-être que je continue. Hein. C'est une blague, TKT. Donc là, tu me spoil encore. Tu peux pas dire juste, je m'excuse. Hein? Putain, mais le gamin, quoi, j'y crois pas. Ah, le cinéma, ça te réussit pas, hein? Oxygen. Oh, la ferme. Je vais mettre un mod qui remplace le oxygène par un truc. Je sais pas, genre le bruit de FNAF ou un truc comme ça. Oh, ça serait tellement bien que genre... Jusqu'à que je m'étouffe, on entend la musique de FNAF. Allez. Allez. Je vais dire chips. Il va dire que c'est du spoil. Oh, putain, mais tu me spoil le chapitre 5 là, mais t'es sérieuse? La musique de Sonic.
De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Musique de Sonic. Qu'est-ce qu'il y a la musique de Sonic? Putain, j'ai toujours pas de fibre, hein, par contre. Hein. La bouffe, c'est là. Comment on fait pour manger? La bouffe, 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 consommer. Oh, c'est dans la max, la vache. Ok. Par contre, pour l'eau, je sais pas comment on va faire. Hein. Ah, la musique de Sonic. Ah oui, d'accord, l'eau. Vous voyez quand on est dans l'eau, et je viens de percuter. Oui, quand il s'est loin, oui, oui, oui. Mais c'est quoi du quartz? Il me faut une grotte, là. Du titane. Très bon film, d'ailleurs, titane. Mais interdit au moins de 18 ans. Si vous voulez voir titane dans votre vie, c'est interdit au moins de 16 ans. Très bon film, mais bon. Et ramène-le dans ta base. Oh putain, ouais. Opération pingouin, go. Est-ce que au moins je peux ouvrir la porte? Ah mais. Yeah, et voilà, c'est bon. Toi! Oh non! Je l'ai dans mon inventaire. Est-ce qu'ils vont venir? Ouais, ils viennent! Non? Ah non, non, c'est la pluie. D'accord, ok, tout va bien. Tout va très très bien. Ah non, ils me poursuivent en fait, d'accord, ok. Avant, je me suis fait confisquer mon téléphone. Mais oui, mais gros, t'es au cinéma! Impossible. Quoi? Je ne peux pas le stocker, il faut utiliser un conteneur. Mais il est tout douillé le truc, c'est une plume. Oh là là. Allez, je te rends ta liberté. Pourquoi tu peux pas poser Régis? Je sais pas. Ils font un conteneur apparemment. Apparemment dans ce jeu qui a l'air plus horrible que moi, pour garder un pingouin en vie, il faut le mettre dans une caisse. Moi, logiquement, je l'aurais mis par terre, hein, mais non, non, apparemment non. Bon, je vais pas trop profond non plus. Je vais juste regarder comme ça. Bon, allez, on y va. Et quoi, est-ce qu'on va trouver du cristal? Ouais. Putain, c'est vrai que j'ai un double clic. Oh, passez, non, 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 non. Ah, c'est mort. Non. Oxygène. Ah non. Plus intelligent, ça y est. Il a compris que je faisais attention. Il y a la tempête qui approche. Mais où est-ce qu'on va trouver du cristal? Ouais, lui on sent. Je suis en train de ramasser plein de trucs, mais c'est pas bon. Il s'appelle Régis, il s'est dit, il n'est pas signé, là, quelque part. Cristal, non, c'est du quartz. Regarde, t'as, toi, il y a The Deep. Ah, The Profondeur. C'est pas un cristal, ça, je sais pas. En plus, il y a de la nuit qui arrive. La nuit se lève. La nuit se lève ou elle tombe? Bonne question. Là, il y a un trou. Piste trou. Qu'est-ce que c'est? Fragment à piège de gravité. À gravité, pardon. Progression 1 sur... Plante à oxygène. Nice. Non, non. J'en étais sûr. Oh, oh. Oh, ça fait vraiment des bulles. Oh, trop bien. Oh, trop bien. On peut rester ici indéfiniment. Trop bien. Je sais plus où est-ce que c'est, mais trop bien. Nid de singe. Oh non. Non, 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 non. Un nid de singe. Mais vraiment, je peux le casser le truc? Fragment de Sidale.
J'ai caché mon téléphone dans un casier, j'ai mis le son à fond. Elle me l'a rendu. Non mais Shrudul, t'es sérieux? Bon, tu me déçois. Hein. Ah, tu me déçois. Hein. Oxygen. C'est pas que c'est pas drôle. Je vais mourir! J'ai envie de pleurer. Ok. Et on peut pas savoir où est-ce qu'on est mort. Putain de merde. Tout ça, c'est à cause du poisson singe. C'est un bab. C'est quoi déjà? Non, c'est pas un babouin. Hein. Bon, je sais plus c'est quoi le nom. Mais putain, je suis dégoûté. Je sais même plus ce que j'ai perdu. En tout cas, j'espère que vous profitez de ce jeu. La bonne ambiance. Sous l'océan. Sous l'océan. Oh, on peut pas aller à la surface, c'est dangereux. On peut pas aller sous l'eau, c'est dangereux. Je trouve ça apaisant. Franchement, ouais. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Ah, d'accord. Ah, c'est ça qu'il fallait récupérer. Mais putain, mais donnez-moi tout. Non, non. Pas ces merdes. Oh non, c'est les putains de screamers ces trucs. Oxygen. Ta gueule, ferme ta gueule. Rentre. S'il se colle au hublot, je hurle. En mode stunk. C'est bon, je peux en faire un seul. Bon, c'est pas grave. Oui, réservoir d'oxygène. Oui. Oh. Enfin. Enfin. Casier étanche. Ok. Ah oui, c'est un casier. Donc du coup, casier... qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un kit de réparation, il faut des minerais d'argent. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce que c'est. Où est-ce qu'on ne voit pas? Ce que j'ai fait, c'est que... Ce que j'ai fait, c'est ça, comparé à ce qui s'est passé dans la chambre, les années précédentes, et plus généralement dans l'internat. Je t'invite à regarder Grave. C'est violent, attention, c'est un film français violent. Mais ça peut t'intéresser si tu cherches des trucs au niveau bizutage. Hein. Mais bon, il faut être. Faut être vieux pour faire ça, hein? Faut être intelligent. T'es dans une école de cinéma, tu sais combien ça coûte une école de cinéma? Tu sais combien ça coûte une place dans une école de cinéma? Tu sais le monde de gosses qui voudrait être à ta place? Hein? Tu le sais ça? Hein? Mais enfin! Je suis pas un ton fils! Jacques Brel. Pas du tout. fil de cuivre, du kit de câblage, d'accord. Fil de cuivre. Là j'en ai un, mais j'en ai déjà fait du fil de cuivre. Il faut juste ça, en fait il faut vraiment ça, du cristal. Je vais utiliser ça. Tac. Casier. Impossible stockage. Oh merde. Je vais me mettre là. C'est un grand casier ou pas? Ouvrir stockage, récupérer stockage. Mais non! Ouvrir. Non, ouvre. Ouvre. Il y a quel mini truc là. Ah, c'est un peu. Oh, l'arnaque! Oh la putain d'arnaque! Hein? Quoi? Quoi, je l'ai mangé? Pardon? J'ai mangé le truc, d'accord. Hein? Ok. Ok. Bon, schéma. Go, il me faut les cristals. Pas du tout! Des épinglés, ça c'est bon. Il faut minerai d'argent. Il faut des putains de minerais d'argent. Go.
Je vais augmenter la surface pour l'oxygène. Voilà, 75. Allez, let's go. On peut y aller. On est déjà à 40 minutes de VOD. Ça va pour une découverte, je vais attendre à moi, tu vois. Tu vois, voilà. Vous êtes plusieurs, mais... Hein ? Je l'avais dit, c'est juste une option cinéma plus poussée que dans les autres lycées. Sinon, c'est juste un lycée général. Bon, mais quand même. Sois sérieux. Après, tu vas devenir comme moi. Si jamais tu dis un truc, je te banne. Non mais faites pas les cons à l'école, soyez consciencieux, faites vos cours tranquillement. En plus, même si c'est une option, Jacques Brel, non pas du tout. Nana. À moins que le cristal ça se trouve à la surface, je sais pas. Parce que on est loin de la surface là, non? On est tellement loin, au secours. Qu'est-ce que je sais? Oh, encore un truc là. 2 sur 3, d'accord. Mais moi je veux retourner sur la banquise, on peut pas? Ça a changé à quoi boulevard? Je vais être Sam! Sam! Nick! Est-ce que. Jafar! Ah putain. Splendide, absolument. Oh, faudrait que je le mette celui-là. À la place de se dire GG, vous dites tous splendide, absolument, merveilleux. Non, le cristal ça se trouve dans l'eau. Et oui, tu peux trouver dans l'eau froide sur la banquise. Ah merde. Au secours. Matt. D'accord, ok, super. Merci en tout cas. Merci Kairi. Je vais t'appeler comme ça maintenant. C'est un choix et c'est comme ça. Tu t'appelleras Kairi. Kairi comme le personnage féminin qui ne sert à rien dans Kingdom Hearts, mais qui est là seulement pour intérêt et pour dire que Sora est amoureux de quelqu'un, mais il ne peut pas le dire parce que c'est un personnage de jeu vidéo. Voilà. C'est un personnage de manga. C'est un personnage japonais, donc du coup il ne peut pas dire je t'aime à la fille qu'il aime. Voilà. Est-ce que Kaori c'est un nom en référence à quelqu'un, enfin un personnage C'est Kaori de SSX. La gothique? Attends. Non, la gothique, c'est ça, non? Ou alors je confonds avec SSX3. Ou alors c'est la blonde. Parce que dans SSX, je me rappelle de Mac. Putain, ça remonte à loin, SSX en plus. Elle était chinoise, puis black, puis métisse. D'accord. Bah. Je me souviens pas du métisse dans SSX3. Bizarre. Ramasser de la neige? Attendez. 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 Faut que j'en cherche maintenant. Faut les trouver. Mais merde, ils sont où? Il y en avait là. Ça bouge là-bas. Merde. Oh, quoi? Ah non, ok, j'ai un peu. On peut les lancer dans l'eau? Mais c'est débile. On peut les lancer dans l'eau. Toi. Non. Toi. New creature discovered. Comment il me regarde?
Attendez. Y'a pas un mode photo? Y'a pas un mode photo, s'il vous plaît? Juste un mode photo, au moins pour la VOD, quoi. Comment on fait le mode photo, là? F1. Comment on fait pour la... Merde, non! Un jeune supporter qui voulait faire des débuts de tournoi par passion, c'était... C'est écrit Karine. Mais chez Rename Amazos, d'accord, parfaitement d'accord, Small Tom. Non, mais... Vous comprenez pas, c'est pour la science! Regarde, lui, voilà! Lui, c'est un dur, lui, ça se voit que c'est un alpha, il est plus grand que les autres en plus. Voilà, ils ont froid, eux, c'est des bébés. Faut qu'ils apprennent la vie, faut les endurcir. Faut les endurcir, voilà. Allez, bats-toi, petit, bats-toi! Lève-toi! Voilà! Ils me regardent en mode. Là, là, ils font. Là, je suis là. Voilà, je suis là. je vais prendre en photo, attendez, je vais prendre la screen capture. Est-ce que ça marche si je fais ça? Attendez. Hein? Attendez! Attendez! Non, salaud, t'as tué mon frère! Bien sûr, c'est vrai que dehors il fait froid, donc du coup l'eau réchauffe, hein, bien sûr, c'est scientifique, hein. C'est comme ça que Rose a failli mourir, hein, c'est en restant hors dehors de l'eau. Et Jack est du coup immortel. Hein. Attendez, hop là, je fais ça. Voilà. Mais du coup on arrive à 50 minutes de VOD, mais c'est une très bonne découverte en tout cas. Et je pense qu'on y rejouera dans pas longtemps. J'ai déjà ma petite idée de miniature. Titanic? Vraiment? c'est la première rêve qui me vient, ouais. Pourquoi? Je vais pas parler de... Comment il s'appelle? Le bateau qui s'est retourné, là. Le Poséidon. Lui, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Le Poséidon, c'est une œuvre de Jules Verne. Ça n'existe pas. Par contre... Qu'est-ce qui... Ah non, mais non. Si c'est des sources... Enfin, si l'eau est chaude, je peux mentionner James Bond... Demain ne sert à rien. Le bateau. Avec la bat bombe anti-bat troquin. Et... Bref, mesdames et messieurs, YouTube, c'est la fin de cette VOD. Ça a été une très bonne découverte en tout cas. Je vous fais des gros bisous. On se quitte là-dessus. J'ai cassé mon truc, mais non. Ah non, je croyais vraiment. Est-ce qu'on peut crafter ça du coup? Pas du tout, parce que je n'ai pas de merde. La bat card, ouais, c'est ça. Non, la bad carte, encore ça passe. C'est justifié. Enfin bref, voilà. YouTube. Des gros bisous. Ouais. Bisous.